Bon ben voilà les amis, l'aventure commence. Dernière petite pause avant de partir, parce qu'après c'est à quatre pattes dans les herbes hautes. On est déjà au bord de la plage et on va emprunter la première piste cyclable qui passe. Là on a encore des grandes gueules, on a des petites techniques à la con pour pas trop avoir mal au cul. Allez babé! Allez babé! Première côte, showtime. Allez babé! On a pris un petit raccourci, mais un raccourci des fois ça comporte des dénivelés. Ils vont pas tarder à me buter. Oh putain, il va gueuler. Ça y est, premier craquage. C'est tout droit, infini de sable. Mon Greg, passe devant, c'est ton idée là. Allez, on y va. Non, mais n'empêche que c'est débile. Allez, passe devant, ça va te faire plaisir. Regarde ce qu'il y a. Regarde ce qu'il y a. Voilà trois jours. Nous sommes au milieu de nulle part. On s'est perdu, les amis. Vas-y, pisse debout. Et pisse debout, quoi. Dans sa bouteille, c'est grosse crade. Greg le pète couille. Exactement. Greg, tu crois que tu vas arriver à t'enfiler tout ça tout seul? Tu m'en donnes un petit bout, Greg? Petit escargot porte sur son dos sa maison verte. Hey, tricheur! T'as vu la grosse veine, là? Tu vois la grosse veine, là? Voilà, les gars, il se passe une petite merde. J'ai pris une bosse, le dérailleur est passé dans les rayons. Tout tordu, faut qu'on trouve un garage pour redresser une patte pourvu qu'elle ne pète pas. Heureusement, j'ai trouvé un papy qui m'a prêté deux clés à molette, un boulon et un écrou. J'ai pu remettre ça en place et c'est reparti. Bon, les gens croient pas trop en moi là, mais on est reparti quand même. Tu savais ta gauche. Bon, ça y est les filles, on a commencé à passer un cap, regardez là-bas, il est déguisé en porteuse. Et Babouch, comment tu vas Babouch? Ça y est les gars, c'est parti. Et là on est en mode compète. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il est beau. Et là toi, t'as pas trop honte. Coucou. 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 Alors, comment qu'on fait? Comment qu'on se met? Et les dames qui veulent prendre la photo, Grégory, on est des stars maintenant. Bon, on a fait un petit arrêt, les gars, à l'ombre. Ça fait pas de mal parce que putain, il fait chaud. Je sais pas si je vais pas faire seins nus, moi, parce que j'ai le sac qui commence à me découper. Mais ça va être bien. On a pompé un peu le vélo à Babouch. Elle est fatiguée. Ma Babouch. La meuf, elle est tout le temps. Là, t'es en camping, toi. Elle est en camping, elle est étalée. Oh! C'est reparti! Ouh, les Alpes! Bon, je dois vous dire, mes petits loups, que franchement, on a la patate, tout va bien. Il nous reste à peu près 30 bornes à faire et on aura fait notre quota de la journée. Et nous voilà au centre de Mimizan. On a l'impression d'être des extraterrestres ou des ultra-terrestres, même. Ça va mal au cul. J'ai l'impression d'être un peu un indien dans la ville, tu vois ou pas? Je suis venu avec Yannick, il y avait un mec bourré entre le frère, il s'encule devant moi. C'est magnifique. Grégory vient de me briser le sexe en plein magasin. Il m'a tapé avec son saucisson. Et là, il y a Grégory. Son sucre, mais c'est du pas de sucre en fait. Par les chambres, hop 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 hop. Là j'ai une tête à guise mon cou. Elle est magnifique cette forêt. Vive les animaux et le silence. Vive le silence. Allez les gars, on sort les doigts là. Il y a une descente qui monte.
motivé. Ouais. On est bien arrivé les gars, mais chaud sur la fin, très mal au cul. Moi je crois qu'il y a tout qui s'est mis en automatique là, tu vois, j'avais plus mal aux jambes, plus mal au cul, nulle part. Il tardait juste un truc, c'était de pédaler plus vite pour arriver plus vite. Grazdrovia. Grazdrovia de June. Allez, dernier coup de pédale de la soirée. Et le clou du pestacle... Ah merde, c'était là-bas. Et le clou du pestacle, c'est qu'on a les copains en bécane qui sont venus nous voir. Le GRMTP et une dame en Duke. Voilà, voilà, voilà. Grégory. De quoi? Tu fais avec quoi ton coussin? Bordel, ah putain, mais ah, c'est chiant. Tu vas voir ta toile de tente alors? Ah, t'es vachement bien là-dedans. Ah bisous, Grégory. Qu'est-ce que tu disais, Babou? Rien. Rien. C'est bizarre, y'a plus rien. Elle est jolie, ta tente. On rentre à deux dedans, t'as dit. Greg, viens voir si on rentre à trois. Dans qui? Dans la tente à Babou. Pauvre tente. Bonne nuit. Deuxième jour les amis, on a très bien dormi. Merci aux arbres de me fournir toutes ces pommes. On a revêtu nos sacs. Je suis tellement perturbé, je sais pas si ça se dit revêtu. Mais je me suis fait une petite échelle molletonnée. Encore 80 bornes, on est à Bayonne. On les fera pas à la matinée, c'est clair. On va faire simplement l'aller, je crois. Bon bah voilà, notre Babouche, elle nous sépare de nous, de notre groupe d'amour. Babouche, elle s'en va. Ça. Ouais, le mal au cul, c'est pas supportable, hein, il y a des moments. Non, mais le mal au cul, moi. Mal au cul, toi, c'est plus les cuisses, des, ouais. C'est des muscles. Au revoir. On est reparti. Comment ça, ton petit viril? J'ai trouvé mon brother. Yahoo! It's a me, Mario. Hello. Give me the flower. Il fait chaud. On n'en peut plus. Mais on a une bonne toile. Wow, it's so fun. Here we go. Here we go, Gregorio. Bon, là, on va manger un bout. On n'en peut plus. Il va manger le bout. Hein. Il reste 2 heures. 2 heures et quart. Ça va aller. Bon, les gars, petite pause. Je suis là en grenouillère. Tu vois, comme ça, là. Je m'étends la peau. J'en peux plus. Hey, oh. Et il y a Babouche qui nous fait une belle petite surprise. Elle va prendre la voiture et nous rejoindre à Bayonne. Mais elle fait du stop. Elle n'a pas abandonné. Pas totalement. Regardez ma petite. C'est la princesse de l'anarchie. Tu veux ta dose zéro? Tu veux ta dose zéro? Ouais, je veux bien. C'est bon, j'ai trouvé un client. Je vais pouvoir manger ce soir. Bon, autant vous dire que là, c'est pas évident de trouver des clients, quoi. Tout le monde doit savoir que je suis une grosse prostitute un peu en manque de cam. Ah, j'ai la chatte souillée, les filles. J'ai l'impression qu'il y a tout un régiment de légionnaires qui s'est passé. Attention, vous allez vous faire flasher. J'ai compris pourquoi j'ai pas trop de clients. J'ai quand même un avantage. J'ai oublié le rouge à lèvres. Ça, c'est mon client de tout à l'heure. Oh, pardon. Putain, il y a le maître qui arrive. Profite-toi. Elle est pas chère aujourd'hui. Ça se casse les couilles, hein. Les gens, ils ont pas de thunes. On est vraiment dans un pays de blaireaux. Grégory, reviens. Lâche cet anaconda, Grégory. Il ne t'a rien fait. Grégory, repasse cette barrière, je t'en conjure. Je suis une petite fleur fine et délicate. Grégory, reviens. Grégory, tu me fais peur. Tu m'as pas offert de fleurs, Grégory. Mais regardez-moi ça, ce gros tapin, il s'est fait une nouvelle famille. Ça va, Grégory? J'en peux plus de lui. Depuis que Grégory s'est trouvé une nouvelle famille, il n'avance plus. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas. Regarde-le, ce poivreau.
Et en face de nous, ça peut faire peur, mais il y a Bayonne. Ah ah! Oh, qui pue. De toute façon, mon Greg, j'ai envie de te dire, tout ce qu'on fait sera gravé dans les annales. C'est ça la dune du Fila? Un gros tas de sable! Il y a des surfeurs du béton! Look at that! Look at that girl! La 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 la! Hey! On coupe pas la priorité! Je vais me faire embrocher là. Dans 200 mètres, continuez sur l'avenue des cigognes. Je fais qu'est-ce que je veux! Nous voilà au pays des surfeurs. Il n'y a que des grosses bagnoles ici. Et pas que des grosses bagnoles! Attention les pédales! Il y a un joli mignon qui vient de me dire, on dirait un mélange de Samantha Hoops et Bryce de Nice. Tu trouves? Plus qu'une heure, j'en peux plus. Moment de s'en remettre plein les naseaux, les gars. Bon, mais écoutez, les gars, retour au point de départ. Hein. On se tient au jus, chercher le vélo et puis après, je vois où vous êtes. Allez, bisous. Et bon courage, les gars. Que le cul vous pèle. Bon, fini les déguisements. C'est bon. J'avais chaud, on me prend trop pour un tapin. Et puis, je commençais à prendre mon rôle au sérieux. Je me suis arrêté quand j'étais à genoux devant un mec dans la forêt. Dans 15 km on est arrivé, 15 bords. Bon, alors là les gars, une vidéo vaut 1000 mots quand même. On vient de traverser tout ça. Et on en a encore devant nous. Oh non mais regarde la voie. Et j'espère que ça tourne là-bas, parce que si c'est pour à la Bayonne ça. Oh là, oh là, oh là. Oh merde. Vous pouvez y aller, ça rafraîchit. Sarah Connor. Non, ça rafraîchit. Greg le blaireau, il est passé, allô. 3 km, 3 km. Bayona. Hi-ha. Yo. Tape sur le panneau. Bon, récap les gars. On est bien arrivé à Bayonne, bien claqué. On a pris pas mal de bronzage. On a un énorme mal au cul. Bonjour. Mal au cul, mais tellement mal au cul. Je suis presque sûr qu'on a le cul bleu. Je mets n'importe qui au défi, sans y être préparé, de mettre 10 kilos dans un sac. Et sans sel. Et sans sel. Et de parcourir tous ces kilomètres avec un vélo pas adapté. Et surtout avec Greg. Franchement, je suis tellement éclaté. Et quand c'est je vous Mbappé, jure que Mbappé là, les drones, sinon, le bronze... Tu te ta gueule. Bon bah voilà, 135 bornes et il fait la gueule, là, il me casse les couilles, il est parti là. Je crois que c'est fini entre nous. Enculé ! On dirait qu'on sort d'une soirée où il y a 15 légionnaires qui nous ont passé dessus l'un après l'autre. On sort de la fistinière. Ah la ouais. Fistinière. Ah yeah ! La sauveuse ! Je viens de me rendre compte d'un truc de malade, c'est la meilleure, c'est ma meilleure amie, il n'y a pas photo les gars. Une Despé Mojito. J'en ai déjà bu une dans la bagnole et elle me fait la surprise d'en avoir une deuxième. Je vous le dis, il n'y en a aucune qui peut la surpasser. Aucune. Comment clore autrement ce petit périple? Regardez-moi ça. Un petit soleil magnifique. Des amis, quelques bières. Je vous le dis, sortez de votre zone de confort. Faites des choses qui vous demandent vraiment un effort. On retombe toujours sur ses pattes en tant qu'humain. Je vous fais un gros bisou. Merci à tous de nous avoir suivis.